Bonjour et bienvenue. Plus de God of War. Donc on est à Vanaheim, dans la zone secondaire, enfin les plaines, la jungle et tout ça. Il y a plein de trucs à faire et c'est vraiment cool. Donc ouais, on va continuer ça. Alors, on était parti dans la jungle où on a combattu un dragon et tout, c'était cool. Et là, on est revenu aux nains juste pour monter nos armes et tout ça. Par contre, on a encore plein de trucs à faire ici. Là, il y a quoi? Il y a un portail. On peut faire un peu des trucs ici, du coup. Je crois. On va voir. Ouais, on peut faire des trucs ici. Au lieu de repartir dans la jungle. La dernière fois, on a fait beaucoup de jungle. Très bien. Eh ben putain. Voilà, notre puissance est bonne. Notre puissance est bonne. Alors là-bas, il y a une brèche. Oh! Il y a de l'eau même ici maintenant. Ah, ça tue. Oui, parce qu'on a remis l'eau depuis la jungle. Donc maintenant, même dans la. Dans l... Ici, maintenant, il y a de l'eau. C'est terrible. Je vois pas ce que c'est. Oh merde. On en a un. Putain, niveau 8 quand même. C'est fun. Méga fun. Méga fun.
Oh, on a eu de l'alliage scintillant, cool. Un plan sans faille. Une carte. On va voir un peu. Il y a un gouffre à Vanaheim et je ne parle pas de l'estomac de mon ami Aki. Quel meilleur endroit pour cacher un trésor qu'un immense trou dans le sol. Je n'ai presque rien à faire. Alors là, c'est quoi, dans la jungle? Je me suis fait un café aussi en même temps. Dans la jungle, je dirais. Ça m'étonnerait que ça soit aussi loin. Je sais pas, ça me dit rien. On verra. Ça va, notre... nos stats sont bonnes. Un truc aussi, c'est qu'on a mis beaucoup de renouveau la dernière fois. On a 96 maintenant de renouveau. Donc... nos runes reviennent quand même très très vite. Ah, vraiment cool. Genre la plus petite c'est 46 secondes. Vraiment vraiment bien. La relique c'est combien? C'est 91 secondes la relique. Donc vraiment vraiment sympa. Le plus grand c'est 91 secondes. Nous revoilà dans les plaines. C'est bien plus beau maintenant que l'eau coule à nouveau. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vachement bien d'avoir beaucoup de renouveau quand même. Avec la montée de l'eau, tu crois qu'on peut accéder à d'autres zones du cratère? Attends, on est arrivé où là? Ah, oh, on peut directement passer comme ça maintenant. Ok, ok. Et là, je me rappelle. Bah du coup on peut revenir où on était, ici là, parce qu'il y a des coffres, on pouvait pas les ouvrir à cause du géant là. Pas du géant, du troll qui nous balançait des rochers. Maintenant c'est bon. On s'en est occupé. Parfait, tu peux maintenant ouvrir la porte sans que cet ogre nous arrose de projectiles. Ah oui, il y a ça aussi. Oui, bien vu. Je sais pas du tout où ça mène. Viens le pas! Ouais, il y a peut-être un nain. Un nid, pardon. Pas un nain. Ouais. Calamité! Sur la gauche! Où tu vois des calamités? Ah oui, mais c'est ça les calamités. Je suis con. Bon, c'est les cauchemars, les trucs qui volent. Les cauchemars, c'est pas pareil. Très bien. C'est une super aventure ici, honnêtement. Comme zone secondaire, c'est magnifique. C'est grand, c'est beau, il y a plein de différents types de monstres. Les combats avec les dragons sont vraiment, vraiment cool. Ah, je suis en total kiff. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Puis, à souhait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Mimir, t'as rien à dire parce que... parce que c'est quoi cet endroit? Regarde ça. Un petit bain, mon frère. Ah, oh, un autre cristal.
Gardons-le de côté le temps de savoir ce que l'on peut en faire. Ouais, pour l'instant, on sait pas à quoi ça sert, les cristaux. Il peut être purifié. Qu'est-ce que c'était ? Est-ce que le bassin a réagi quand on a détruit le cristal ? Il semblerait. Les terres de Vanaheim semblent plus conscientes que celles d'autres. Elles ont pu apprécier que tu détruis ce cristal. Ah, on dirait que le bassin veut toujours quelque chose. Et si tu y jetais un cristal ? Oh, c'est comme ça qu'on les... les purifie. Je vais voir, ça donne quoi? Putain, mais ça tue, il y a plein de secrets, il y a plein de trucs. Oh, oh, ça a marché. Regarde, il nous a offert autre chose en échange. Waouh, cet équipement nous servira. Et des fragments de cristaux. Je parie que les jeter dans le bassin nous rapportera une récompense. Formidable. Une chance que nous ayons déjà collecté tous ces cristaux, non? Mmh. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est top. Bon bah, moi je bois mon café. Hein. Vous regardez les objets qu'on récupère. Donc on va pouvoir augmenter notre bouclier au maximum. Lingoise gardien 36, au pétrifié 15, ça tue. Oh, oh la vache, et on a eu 107k. What the fuck. Magnifique. Alors, le pommeau de gel runique. Chance modérée d'obtenir une grâce runique en frappant un ennemi gelé. Mmh. Ouais, bof. De grêle runique, j'ai dit gel runique. Ouais, les stats, c'est pas très intéressant. La grâce runique en frappant un ennemi gelé. Pommeau qui puise de l'énergie dans le froid que dégagent ses ennemis. Non, ça nous intéresse pas. Alors, ça. Alors, le talon de puissance volatile. Les lances imprégnées de siphon élémentaire inflige plus de dégâts au corps à corps, mais désormais l'élément siphonné se dissipe après un instant. Non, pas intéressant. De toute façon, honnêtement, l'excédrage, là, c'est, honnêtement, c'est vachement puissant. Puis en plus, c'est vitalité et défense, c'est juste ce qu'on a besoin. Ça va être compliqué de remplacer, en fait, les pommeaux des armes. Alors, fais voir déjà l'amulette. On a Panacée Céleste, 25% de résistance à tous les états, givre, brûlure, aveuglement, hébétement, poison, électricité et bifrost. Une puissante concoction créée par Eir qui soulage tous les états subis. Ça, c'est pas mal, ça. On a eu autre chose ou pas? Non. Ça, c'est pas mal, ce truc. J'ai même envie de le mettre à la place de ça, mais enfin, le vin de renouvellement, c'est quand même énormissime. Donc, ouais. Ça serait compliqué. Non, 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 on va pas l'enlever. Alors, fais-moi rêver. Plastron des étoiles déchues. Ouh, elle est jolie. Ouais, on dirait, c'est tout en cristaux. Marrant, ça. Réduit nettement les dégâts subis à chaque utilisation d'une attaque runique ou d'une relique. Une armure fabriquée à partir des cristaux trouvés dans le cratère de Vanaheim. La matière a été travaillée de façon extraordinaire afin de créer une pièce véritablement unique. Les stats sont intéressante. Nous on a quoi? Force, défense, rune. Ouais, nous on a toutes les stats en fait. Et là il y a force, défense, rune et vite. Il nous manque renouveau et chance. Réduit nettement les dégâts subis à chaque utilisation d'une attaque runique ou d'une relique. Je vais voir un peu combien ça dure de temps. On prend ça. C'est intéressant parce que
C'est vachement intéressant parce que bah, les trucs runiques, on les spamme, nous. Hein. Ah tiens, on peut la mettre en plus. Parce que le renouveau, on est à 60. On n'a même plus besoin de la berserker, en fait. Ah. J'aime bien ça, mais c'est vrai que, on va être honnête, on se fait one shot. Hein. Enfin non, on se fait pas one shot parce qu'on a quand même énormément de vie. Mais on prend extrêmement cher. Alors là, si on fait ça, c'est quoi? C'est 4 secondes? 4 secondes. Surtout qu'on les enchaîne. Je sais pas, je trouve ça super intéressant du coup pour nous. On va rester avec la Berserker parce qu'elle est plus haut niveau, mais là je trouve ça vraiment intéressant pour ma façon de jouer. Alors, Brassard des étoiles déchues. Se faire toucher pendant l'utilisation d'une attaque runique ou d'une rune restaure une partie du renouveau de l'attaque après l'utilisation. Oh! Oh! C'est pas mal ça aussi. Oh! Argent. Ouais, non, c'est 30%. 30% de la restauration de notre truc. 30%, c'est pas mal, hein. Après, on pourrait mettre une seule partie pour avoir genre 15%. C'est con qu'on n'ait pas la taille parce que ça, c'est déjà niveau 9. Bon, après, il faut se faire toucher. Hein. C'est toujours le même truc. Hein. Il faut se faire toucher. Mais c'est vrai que. On se fait toucher souvent ou pas? Pas vraiment. On va se faire toucher genre une fois. Deux fois peut-être, grand max. Donc, je pense pas que ça soit très très utile. Par contre, l'armure, oui, l'armure peut nous sauver la vie. Ouais. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Bon, il faut plus de cristaux, je pense. Parce qu'on n'a pas la taille, on n'a pas l'armure complète. Bon, on a possiblement une nouvelle bonne armure. Puis ça fait les stats qu'on a besoin, c'est-à-dire vitalité. C'était le dernier des schémas manquants. Je vois de nouvelles poignées d'épée dans ton avenir. Yes! Ça tue! Faut aller voir ce qu'on peut faire. Bon, par contre, je veux juste refaire un tour là pour être sûr qu'on n'a rien loupé. Ben voilà. Oh! Bonjour. Le printemps, la renaissance, le renouveau. Ah, le parfum de ces fleurs m'avait manqué. Désolé, petit. Allez, dépêche-toi de revenir. C'est super. Il y a un coffre là-bas. C'est super. On vient de là, nous? Comment j'aurais pas vu le truc? Il est juste là.
Là-bas, il y a la porte. Je comprends plus rien à la zone. Je sais plus dans quel sens on est venu et tout ça. Autre chose. Non, on vient de là-bas. Ok, c'est bon. On va aller voir ce qu'il y a là. Ce qui est bien, c'est que dans God of War, c'est le fait de faire du secondaire, on sent quand même qu'on après, on est beaucoup plus puissant. Sur quand on retourne faire l'histoire et tout ça, donc ça c'est bien. Ah non, on vient de là. Je suis con. Allez, demi-tour. Putain, mais je l'ai pas vu du coup, le cerf, putain. Je devais regarder tout autour. Il y a des gens, ça énerve que je loupe des trucs. Genre rien que des petites choses, quoi, ça les énerve. Donc ça, c'est la sortie, du coup. Bon, ben, on y va, quoi, on se casse. Il n'y a pas des cristaux qui traînent, non? Non. Ben, oh la vache, mes yeux, quoi, s'il vous plaît. Ah, on est au retour ici. Tout début. Alors, on va aller voir le nain. Oh, c'est quoi ça? On va aller voir le nain. Voir ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on a. Je fais des tests un peu avec, avec l'arme. On a quoi comme élément là? C'est du poison ça? Ça tue ça. Littéralement. Ah oui, il y a les petites tornades aussi. On devait les voir la nuit, voir ce que c'était. Putain, faut qu'on aille voir le nain là. Truc derrière moi. Un truc qu'on peut faire, c'est ça. Alors, je sais qu'on peut pas aller le chercher. Mais en théorie, le nain va le récupérer.
un autre cristal pour le bassin. En théorie, je crois. De toute façon, il y a un port à côté, donc on va y aller, de toute façon. Bon, par contre, fais voir toi. Alors, une, deux... La troisième, elle doit pas être loin. Ok. Faut vous calmer. Putain, le... Voilà, calme-toi. Alors, 1, 2... Ah. Pourquoi cette plaque est-elle ici? Sa construction doit être récente. Cette plaque? Ah! Ah oui. Oh, je sais ce que c'est ça, non? C'est pas des amalgames, des piliers d'amalgame? J'en sais rien. Bon, je voudrais bien ouvrir le coffre et après on se casse, on va voir le nain. Après, je me vois mal jouer sans le fait d'avoir des pierres partout, à 20% d'avoir des pierres. Ils font chier, quoi. Oh! Trouvé. Trouver, mais merde, comment... Attends, comment je peux faire? Je crois qu'il faut monter. Ah, ça me fait chier. Bon, on verra ça plus tard. Bah, allez au nain. T'es sérieux, ça m'a touché. Faut limite une monture, en fait, ici. Je dirais. J'ai besoin de votre moitié. Oui, oui, oui. Ok. Allons voir le nain. Après, on va perdre du renouveau avec cette nouvelle armure, si on vraiment la prend. Ça m'embête un peu. Je me suis habitué à avoir beaucoup de renouveau. Ça me fait un peu chier. Ah, ça doit être des cristaux. Jette un œil dans le coffre aux objets trouvés. Merci de l'avoir récupéré. Je l'avais dit. Je l'avais dit, ça fonctionne. Oui, c'est ouvert. Poignée de Tyrfing. Non, coupe de nard. Alors, chargez l'épée pour sacrifier de la santé et infliger des dégâts proportionnels à la quantité de santé perdue. Améliore pour réduire le temps... d'indisponibilité de cette capacité. L'histoire de... Ah ben ça c'est avec les 4 parchemins là, enfin les 4... Ouais, les 4 parchemins. L'histoire de Tyrfing est aussi longue que sanglante. Peut-être est-ce une bonne chose qu'il n'en reste que la poignée. Si tu n'avais pas soif de sang jusque-là, ça va changer. Ça marche. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, des étoiles déchues.
Donc on va faire ça, voir un peu les stats. Cendre divine, merde. Faut des cendres divines. Pas chiant. Alors nous elle est niveau 8. Genre si on la compare avec la version 8. On perd un peu de vitalité. Ça fait chier. Je pensais pas qu'on en perde autant. On gagne de la rune, donc on fera plus mal avec. On gagne de la défense. On perd du renouveau, ça fait mal. Ça fait mal au cooldown, ça. 36 secondes. Enfin, 36. Ça doit au moins... Je sais pas. Faut voir. Prends bien soin de toi. Non, attends. Puis, alors là, on a... Faire des tests avec... Donc, 46 secondes. Le plus rapide. Ça va, c'est en dessous des 60 secondes, ça reste potable à la limite. Ça reste potable. Bon, après, elle est moins stylée quand même, hein, mais bon. C'est difficile de faire plus stylé que ça quand même. Ah, fais voir la vie. Non, la... C'est quoi qui est en fonction de la vitalité? Ah, c'est notre âge, merde. On perd beaucoup du coup. On fait chier. Ouais, on perd. Ouais, on perd un morceau quand même. Hein. Tiens, ça m'embête. Si c'est pas Kratos, c'est son poulet sans plumes. T'as quelque chose pour nous, Brock? Ça m'embête. Ah, augmenter ça à 9. Ah, du coup, on peut mettre ça aussi à 9? Non. Non. Il n'y a que ça. Cristal luisant. Ouais. Très bien. Un besoin spécial? Ah, on peut mettre ça à 9 aussi. Avec les pierres. Je dirais pourquoi pas. La vache, je suis bon ou pas? C'est très bien. Je réfléchis un peu, hein. Après je vais expliquer ce que j'en pense. On a encore 156K d'argent. On va la fabriquer. Donc l'armure. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. L'armure de dragon. C'est pas pour nous, hein, mais c'est pas mal. Marque de chasseur pour les épaulettes, on les a pas, il en faut plus. On a ça aussi qu'on peut faire. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Vu qu'on a récupéré pas mal d'argent.
Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Autant les crafter. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Dégâts bouquet, bocage parade réussi, inflige des armes et dégâts. Oui, ça c'est pas mal aussi. C'est quoi, 10 000? Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Quand les chasseurs. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. C'est pas chiant. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. C'est pas chiant du tout. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Ben voilà, on a crafté toutes les armures qu'on pouvait, il nous reste encore 88 000. Ça va. Et ben quand tu veux. Nickel, 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 nickel. Alors, on a le talon qui est au niveau 9, très bien. Ça c'est 8, 8. Le bouclier est à 8 aussi, du coup des braises. L'armure, on a 8, 9 et 9. Très bien. Après, on peut augmenter le blason des étoiles déchues, je dirais. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Et après, il faut 1000 de cendres divines en plus. Ça, ça fait chier, par contre. Voilà, très bien. Parce que elle m'intéresse, en fait, tout simplement parce que... En fait, nous, on spam les runes. On essaye de les spammer le plus rapidement possible, le plus souvent possible. Et c'est vrai que, c'est compliqué de rester en... sur place en fait pendant qu'on fait ça. Là on perd de la vie, donc on perd un peu de rage, on gagne de la défense, on perd du renouveau et de la chance et un peu d'attaque. Moi je dis on peut jouer avec pour le moment. Je dis qu'on peut jouer un peu avec, histoire de tester. Après, est-ce qu'on peut utiliser une autre chose que ce qu'on a là, genre pour les pierres? Augmente les dégâts. Non, on utilise une attaque runique, restaure une partie renouveau. Si on se fait toucher, ça. Si on se fait toucher, c'est pas intéressant. Le gain de permafrost et tout ça. Oui, c'est vrai que ça aussi, c'est intéressant. Par contre, le gain de... Et ça donne du renouveau. C'est quoi la meilleure armure qui fait du renouveau? C'est ça, 25. Le chasseur, putain. Après, la durée des états qui est pas mal aussi. L'attaque ou encore une chance de restaurer une partie du renouveau, attaque runique de l'armée équipée. Quoi? C'est quoi ça? Bande spirituelle. Les attaques au corps à corps ont une chance faible de restaurer une partie du renouveau des attaques runiques de l'arme équipée. Ah, c'est pas mal ça. Après j'ai envie de dire, si jamais ça existe. Parce que là les bandes spirituelles, là, c'est un truc bas niveau en plus. Genre le truc spirituel, le réveil spirituel et tout ça. Non, pas ça. Ceinture spirituelle. Ça, une armure légère offrant à son porteur une protection très aérée, ce qui améliore son renouveau. Ça, 20%. Si on arrive à avoir une armure... Non, une relique, pardon. J'ai pas merdé dans les armures. Non, ça va. Une relique... Petit, arrête un peu de grandir. Tu vas finir par me complexer.
T'as quelque chose pour nous, Brock ? Une relique qui soigne ? Je dis pas non. Une relique qui soigne, ça peut être bien. Du coup, on essaye de la spammer. Bon, par contre, j'ai mis la nouvelle relique qu'on a, là. Je sais pas comment ça marche. Sacrifie de la santé et inflige des dégâts proportionnels à la quantité de santé perdue. Ouais, bof. Je sens que je vais me suicider. On va voir. J'ai pas vu ce qui s'est passé en fait. Et mon frère, tu vas avoir besoin de flèches. Ça leur apprendra. Je crois que le machin nous a tapé pendant qu'on faisait une attaque. On n'a rien pris. Dévoré. La salive, elle brille. Atreus. On devrait suivre la bave brillante et trouver le Dreki. Bien. Bon, c'était facile. On n'a rien pris en dégâts, c'est ouf. Oh, ça tue. Bon, par contre, j'ai pas trop compris notre relique là. Encore de la bave. Alors, c'est la bonne direction. Faut que je reteste. Sur des ennemis normaux, ça serait bien. C'est la direction du Dreki ? Ouais. À en juger par la salive luisante, nous sommes sur la bonne piste. Là, j'ai oublié ma hache. Comment on passe ? La créature niche ici. On ne peut pas traverser ici. Trouvons un autre passage. Comment on monte ? Ah, on passe avec le bateau. Par contre, je voudrais bien savoir comment on va vers eux, là. Parce qu'ils me font chier depuis la dernière vidéo. Depuis le dernier épisode. On les a vus, eux. Mais je sais pas comment on monte. Il y a un coffre et tout, en plus. Genre ça, c'est sûrement la sortie. On peut pas passer par là. Non. Bon bah c'est pas grave. On trouvera. Ouais bah cette armure est cool. Hein. Cette armure est très très bonne. On perd peut-être le coup du dégât, là, surmultiplié, machin, parce que quand on faisait du courroux, ouais, oui, c'était bien et tout, machin. Mais, on est souvent mort. Honnêtement, on a fait des morts, et c'était souvent à cause du fait que, bah, on se fait one-shot, en fait, tout simplement. Parce qu'on prend, genre, double de dégâts, je crois, un truc comme ça. Pendant qu'on fait une relique. Par contre, le problème avec cette armure,
Vous regardez. On est d'accord que c'est des cristaux. C'est du cristal qui est travaillé et tout, donc c'est solide. Mais quand il bouge, elle se déforme. Donc du coup, ça fait très moche. Enfin, quand on y pense. Vous voyez, quand il bouge, ça se déforme. Ça se déforme comme si c'était du tissu, en fait. Prudence, mon frère. Si nous descendons là, nous devrons nous battre. Ce Dreki ne nous laissera pas passer sans faire d'histoire. Bref. On a affronté des Valkyries. Qu'est-ce qu'un Dreki de plus? C'est pas faux. Oh. T'es à jour application. Ah merde. Je la fais maintenant la mise à jour ou pas? Fais chier. On fait le Drake et je vais regarder pour la mise à jour, si je m'en rappelle. Je pensais bien qu'il allait avoir une mise à jour bientôt. Oh, du poison. Là, j'aurais pas dû bouger encore. Les gentils dragons de Midgard. En comptant celui-ci, nous avons éliminé environ la moitié des dragons de ce cratère. Oh, j'entends les oiseaux. Ils nous encouragent. C'est gentil. Cool. Je vais vivre et lever le coude à nouveau. Enfin, à Folkvanger du moins. Je vais enfin retrouver mon ami et me faire pardonner. Tu me dois d'abord une histoire. Oh. Oui. Maintenant, je me souviens. Le jour où la vallée fut détruite, Thor brandissait dangereusement son marteau à travers la ville. Tout le monde était terrifié. Puis, une guerrière aux cheveux clairs lui fit obstacle et un combat s'ensuivit. Cette femme était brave. Aux cheveux clairs. Cette guerrière aux cheveux clairs devait être Faye, mon frère. Oui, mère a affronté Thor. Je ne sais si c'était du courage ou de la témérité. Rares sont ceux qui survivent à un combat contre Thor. Faye n'a jamais parlé d'un tel combat. Tout le monde a ses secrets. Nous ne sommes pas certains qu'il s'agissait de Faye. Certes, il n'y a qu'une façon de le savoir, mon frère. J'avoue que, ouais, moi aussi, je vois pas pourquoi elle le ferait, mais... Puis aux cheveux clairs, il aurait dit cheveux de feu. Là, c'est une rousse. Ce Faye, c'est une rousse, quand on avait vu. Donc là, oui, là, ça aurait du sens, mais cheveux clairs... Voilà ces terres débarrassées d'une autre excroissance. Tu as quelques cristaux, si nous passions au bassin. Après. Ah, on peut sûrement avoir le... le pantalon, là, la taille. Bon, la relique... Bon, la vie que ça me bouffe. Je sais pas. Ça fait une AOE, en fait. Ah oui, fais voir ce qu'on a récupéré. Résistance cinétique. Les coups finaux des combos chargent davantage les jauges permafrost blablabla et la charge perdue en cas de coup subi est nettement réduite.
220 de force. Ah, ça, ça m'intéresse par contre. Ouais. Ah non, peut-être pas. Bon, je comprends pas vraiment le but de ça, quoi. Sacrifier de la santé, infliger des dégâts proportionnels à la quantité de santé perdue. Ça fait pas beaucoup de dégâts, ça, que je comprends pas. On va le retester encore. Oh là là, les mecs. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah oui, franchement, je fais la mise à jour ou pas? Oh putain. Ah, je vais faire une pause. On va voir ce que fait la mise à jour. Croiser la sauvegarde. Bon bah du coup elle est en train de se charger en fait, se télécharger. Donc c'est pas fini. Donc on peut continuer. Oh mon dieu, il y a tout un temple au centre. Ah bah oui, non mais on y était. J'ai rien dit. On y était. Où est-ce qu'on va, nous? Attends, je suis en train de me perdre. Genre, je voudrais aller là, moi. Ah, on peut aller voir l'éclair. Waouh. Après, c'est vrai que ce qui avait fait l'éclair entre Thor et Kratos, c'était le fait qu'il y ait le marteau, Mjolnir. Et la hache qui s'entrechoque. Du coup, ça a gelé l'éclair. Là, c'est pareil. Et on sait que la hache, elle appartenait à sa femme. Donc, ouais, bah au final, peut-être que c'était vraiment elle. Il y a des trucs chelous ici. Ah non. Là, ça doit être. Il est rapide. Oh mon dieu. C'est pas elle est aussi vénère, quoi. Ennemi à terre. Merde. Oh, ce dash.
On va changer le la relique, elle sert à rien. En plus, j'aime pas me blesser pour faire des dégâts, c'est pas mon truc. Genre les canons de glace, comme on dit, non, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien mettre 7 ans pour tuer mon adversaire, mais avoir une défense de fou et je branche pas. Je peux pas faire ça. Alors, on va reprendre les chakrams, je pense. J'aime bien les chakrams. Après, on n'a pas de truc qui est rapide. Mais ça, oui. Ouais, très bien. Ok, on est reparti. Là, il est rapide. Okay, cool. Putain de merde. Putain, les HP qu'elle a, quoi. Mais nique ta mère. Pardon. Putain de dash. Allez, ça va, on peut la faire, c'est pas trop dur, mais... Putain de dash, quoi. Comme d'hab, hein, c'est le dash. Ce dash de fou, là. Mais ça va, on les défonce vite. J'aurais bien voulu avoir plus de bravoure, par contre. Fin de rage. Là. C'est rapide. Oh merde, elle se change. Tire pas.
voilà. Plus de puits de Drogar et plus d'Erpa. On n'a plus à s'en inquiéter. Yeah. Pas quand je suis avec toi, grand guerrier aux muscles d'acier. Ah bah ça va, on l'a eu. Ça va. Le combat était cool. Ah, ça nous aide, hein, cette armure, honnêtement. Je vais être honnête. Ça, l'armure nous aide quand même à résister quand on fait les trucs. Je n'ai jamais rencontré pareil Drog. Il se battait comme sous l'impulsion d'une haine insatiable. Le monstre est sorti d'une blessure de la terre qui s'est refermée dès que nous l'avons vaincu. Si nous découvrons d'autres puits similaires, nous devrons les fermer à battre les créatures qui en émergeront. D'après Mimir, il s'agirait d'une ancienne impératrice nommée Erta. Je me fiche de son titre ou de ses sujets, je la renverrai 6 pieds sous terre. Bon, bah c'est cool. On va aller voir ça là, il y a plein de trucs bizarres là, qui se passent. Ah, peut-être qu'on peut faire le tour pour essayer d'aller où il y a les mecs. Je sais pas si c'est possible. Alors là à droite. Ah oui, à droite. Encore des Saïsra. Oh, il y a plein de. Ah, mais il y a le nain. Je vais attiser les flammes de tes lames. Donne ça. Ah oui, on a tué la oh, drogue. Wow. Ça a l'air utile. Yes. Plus de runes nick, d'attaque runique. Et revoilà tes chauffements. Tes chauffements. Souvenir d'esprit. Alors, tu as fait ton choix. Échauffement. Désolé, mais des trucs comme ça me fait toujours rire. Moi. Amulette et le max. Non, on peut rien faire d'autre. Et tâche de revenir vivant. Comme d'hab. Ah mon dieu. On va devoir jouer sans la hache, je crois. Ouais, non, pas bon. Des flèches devraient la ralentir. Qui a le pas ? Derrière toi ! C'est parti. Qui a le pas ? Bien joué. Bien ouais-je, bien ouais-je. Tu as bien fait d'étudier les runes. Si tu le dis, Seyor. Ah, c'est, on a un pouvoir de lui.
Vous ne méritez que la douleur, vous haïssez ce que nous sommes devenus, vous ne faites que haïr les fruits de votre labeur. Dans ce royaume, chaque jour peut souiller le plus petit acte de résistance à vos règles et source de joie. Si nous devons y perdre de ce que nous sommes, qu'il en soit ainsi. Si des innocents doivent en souffrir, cela ne surpassera en rien ce à quoi vous les avez habitués. Nous ne sommes plus vos sujets, nous sommes Seyor. C'est comme ça que ça se prononce. J'ai pas fait pas trop. On a une porte ici, très bien. On peut changer le temps ici, très bien. On va faire ça. Ah, c'est un Nidhogg. Ouais. Nickel. Il me semble que c'est le dernier. Oh, cool. C'était le dernier. Excellent travail. J'imagine. Bon, je m'en fiche. Tu n'es rien à mes yeux. Non, rien du tout. Très bien, l'ami. Tu n'es pas mon ami. Au revoir. Je t'aime. Oui, j'avais oublié. Bonté divine. Je suis complètement zappé, désolé. Souffle enflammé. Ah, permet d'obtenir, ça tue. Let's go. Première fois qu'on peut l'améliorer. J'ai du bol. Tu as pile ce qu'il me faut pour que j'améliore notre lance. Yeah. Donc plus de chance. Je sais pas si c'est vraiment enfin ouais, j'en sais rien. Augmente la chance de la lance Dropnir. Accroît les dégâts de toutes les attaques basées sur la chance. Je prétends pas pouvoir améliorer le travail de la dame, mais... Elle était comme ça, la nôtre. Maintenant, on l'a comme ça. En gris, là. Enfin, en argent. Putain, là, elle devient large. C'est joli. Ouvre bien l'œil. Ouh, elle est belle. Ça tue. Oh. Ce cristal aurait besoin d'un bain, tu ne crois pas? Faut retourner faire ça aussi, récupérer la dernière partie de l'armure. Bon, on va voir ce qui se passe ici, parce que là je sais pas trop ce qui se passe. Un amalgame, moi je suis sûr que c'est ça. Bon, attends, peut-être qu'on peut faire d'abord ça. Où est-ce qu'il faut se placer? Où est-ce qu'il faut se placer? Attends, que fait ce feu follet à cette gazelle? Nous allons l'arrêter. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, ça va. On avait le temps. Oh, yes. Ouf. Oh, ça c'est de la rage, ça. Ça, c'est de la rage. Allez, on parie que c'est un amalgame. Regarde, la plaque. No. On dirait qu'elle s'illumine. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, il faut activer des trucs. 4. J'en sais rien. Cette source. J'entends quelque chose à l'intérieur. Quelque chose de furieux. Piégé. Oh, il est clair comme il... Bah, comme il est clair. Lo. Regarde, un autre feu follet. Il dévore ce gnou. Oh.
Je crois pas qu'on puisse le tuer. Peut-être qu'on peut le brûler. Le brûler ? Tu lui as fait peur. Il retourne se cacher dans sa source. Ah, ok. Oh merde. Non. Il avait peur. Et il souffrait. Plus maintenant. Oui. Il aura au moins connu l'apaisement avant la fin. On devrait jeter un œil dans les environs, au cas où d'autres feux follets se seraient échappés. Regarde, un autre feu follet. Tu as besoin de soins ? Tu en es sûr ? D'accord. Il parle pas. La plaque sert à enfermer les feux follets dans leur source. Enfin, sauf ceux qui se sont échappés. Il parle pas à moi, il parle au bouquetin. Allez, amalgame. Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'en prie. Elle était gentille. On a maîtrisé tous les feux. C'est bon. Toutes les runes sont allumées, les feux follets ont regagné leur source, et la plaque les empêche d'en ressortir. On a réussi. Oh la putain de toi. Ils ont dû s'unir. Ou quoi la face, merde. Oh, il est rapide. Tiens pas. Oh le bordel. Ok, on en a eu deux en un coup. Enfin, on a un run, ça va. Oh mon dieu. Oh la vache. C'est bien. Continue. Viens pas. Oh la vache. Allez, c'est le moment. Con ce que je viens de faire. Le
cœur yes. est affaibli. Vite. Tiens le pas. Très bien. Continue. Oh, ça va faire du boucan. Merde, quel con. Des sources, mon frère. Là-bas ? Oh putain. C'est reparti. Voilà une ouverture. Profite-en. On n'a pas pris de cher grâce à l'armure. Follen poseront plus de problèmes. Mais comment ils ont pu s'échapper pour former cette chose ? Les chaînes finissent toujours par céder. Et ceux qu'elles retiennent par se libérer, d'une manière ou d'une autre. Je ne te le fais pas dire, mon frère. Cool. J'aime bien les gants qui soient blancs comme ça, c'est stylé. Ça va pas vraiment avec le reste, mais... Ah ! Yes. Encore la lance. L'armure est vraiment sympa quand même hein, au final. Hein. Ça permet de résister à énormément de dégâts et tout. Ouais, non, non, c'est vraiment cool quand même. C'est vraiment cool. On sait potentiellement... Qu'est-ce qui se passe ? Waouh. Le jeu, il devait charger. C'est la première fois que ça m'arrive. On aurait sûrement dû crever en fait parce que c'était l'attaque je de feu. Je prétends pas pouvoir faire mieux que la perfection. Et avec l'armure, je crois pouvoir améliorer ta lance. Avec l'autre armure, on prend plus de dégâts, on serait sûrement mort honnêtement. Donc elle était comme ça. Elle a pas duré longtemps comme ça. On vient juste de l'améliorer. Bon maintenant elle va passer comme ça, avec marque orange en plein milieu. J'espère avoir fait honneur à la dame. Parfait. Il était temps que je m'occupe. Parfait. On a 108 000 encore. On a beaucoup de défense. Hein. Vraiment bonne défense cette armure. Hein. Réinstaller Ragnarok version blabla. Ok. Et je rembourse pas. Je fais quoi ? Je la mets maintenant la mise à jour ? Ah, ça devrait pas être très très long. Ah, vous savez quoi, on va le faire la mise à jour, je vais regarder ce qui a changé.
Et regardez, est-ce qu'ils vont changer genre ça? Bah après, c'est que des problèmes de traduction, c'est du français. Genre par exemple ça, là. Style égale highlight style. Vous voyez des trucs comme ça? Genre, est-ce que ça va changer? On va voir. On va sauvegarder et je vais faire la mise à jour. Voilà. À tout de suite. Et nous sommes de retour. Donc apparemment, c'est quelques mégaoctets. Je suis sûr qu'il n'y a rien qui a changé. Ouais. Apparemment, ils ont rajouté le polonais dans le jeu, maintenant. Voilà. C'est ça. Je crois. C'est tout. Non, il n'y a rien qui a changé. Il y a eu des fixes de crash et voilà. Basta. Donc, il n'y a pas eu de correctif, vraiment. Alors, on était où, nous? On a fini le truc. Les feux follets, là, qui sont devenus fous. Là, on a les... Hôtel Céleste. Ah, on peut aller récupérer notre armure. Comme ça, j'oublie pas. Ouais, on peut aller récupérer notre armure. Oh, attention ! Oh, merde. C'est quoi ce qui vient de me toucher là? Ah, c'est du bifrost. What the fuck? Wolfer là. Attention à gauche. Derrière toi, attention. On devrait arrêter ces feux follets. Allez, bon. Qu'est-ce que... Où est-elle passée? Elle reviendra. Les chasseresses disent vénérer Scathi, mais elle tue sans raison. Scathi ne l'aurait jamais accepté. Non. Il y a une raison, même si nous ne la voyons pas. Il y a les... Ah oui, à un moment il a dit qu'on avait trouvé un camp de chasseurs, mais en fait c'est ça, les chasseresses. Intéressant. Intéressant. Ok, merci. Ça va, on s'est bien débrouillé, je suis content. Il n'est jamais venu là. Apparemment. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, c'est les mecs qui venaient. Ouais. Non, c'est un gros vagabond, merde. Fais chier. Oh mon dieu. Et Gilles, le gardien du serment. Oh, fais chier. Merde. C'est encore heureux qu'on est protégé. Hein. Oh!
Alpha. Ouh, je failli me... Oh, il allait me mettre un coup de dos. Ah non, même ses jambes, elles sont protégées quand il est de dos. Mais putain, on était dessus, bordel. Ça va. Des écrits. Prends-les, tu veux? Il semblerait qu'on ait dit aux vagabonds qu'en explorant les neuf royaumes et au-delà, ils trouveraient un accès au paradis. Qui leur a dit? Quelqu'un qui se fait appeler l'invité aveugle. Odin. Ça ressemble bien à ce fumeur. On a bien joué. On a très bien joué. Nous t'apportons ce que tu as demandé. Merci. Mon amour m'attend à Folkvanger. Je peux maintenant lui demander de passer l'éternité à mes côtés. Comment pourrais-je vous remercier? Dis-nous ce que tu sais de ce jour. Un combat comme je n'en avais jamais vu. Je me rappelle le fracas du métal sous le soleil. Thor. Il maniait son marteau, mais il était contré par une formidable hache. Cette hache était-elle aux mains d'une guerrière aux cheveux clairs? Oui, c'est celle-ci! Elle brandissait cette hache avec une redoutable précision et force. Aucune arme n'avait jamais rivalisé avec Mjolnir. Mais cette hache et cette guerrière, Thor livrait le combat de sa vie. C'est bien Faye qui a défié Thor dans cette vallée. Ce n'était pas un simple combat. On dirait que Mer écrasait Thor. Il semble que j'ignorais beaucoup de choses à son sujet. Et elle n'est plus là. Peut-être. Mais son histoire ici n'est pas finie. Tu as trouvé quelque chose à jeter dans le bassin? Je sais pas, ils auraient... faire un petit détour par le bassin, mon frère. Ils auraient dû dire quand même
aux cheveux de feu, hein. Ça irait plus, ça a plus de sens. Je sais pas, mais bon. C'est quoi ces lampes bizarres? Alors, ça c'est le temple. Oh, vous le sentez? D'où est-ce que ça vient? D'en bas. Huh. Ok. Il y a encore des trucs, hein. Putain, ça s'arrête jamais ici, j'adore. Oh! C'est ici! Le trésor. Derrière lui. Ce feu follet essaie d'en créer d'autres. Très bien. Il y a trop de trucs dans cet endroit, ça tue. Magnifique cet endroit. Regarde ce qu'on a récupéré. Alors. Alors, une nouvelle relique déjà. Poignée de rôti. Oh, rôti applique une marque aux ennemis à proximité. Attaque un ennemi marqué pour réduire le temps de renouvellement des pouvoirs runiques de l'arme équipée. Tue un ennemi marqué pour obtenir une grâce runique. What? On dit qu'elle était conservée dans la réserve de Fafnir. Quelqu'un a dû mettre la main dessus avant votre visite. Oh. Ok, là ça peut être pas mal. On va voir ce qu'on arrive. Oh. Alors, quand la santé de Kratos atteint un seuil critique, offre une courte barrière d'invincibilité et un bonus de force, suivi d'un requin de santé. Un fragment qui confère un gain désespéré le protecteur de protection, pardon. De puissance et de résistance aux morts et proches. Ok. C'est pas mal. Bon, on peut plus toucher au renouveau de toute façon. Donc bon, on est un peu bloqué, mais c'est intéressant. Ah, on n'a pas que ça. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ah oui, avec le trésor, oui, on a eu une partie. Ça, justice d'Asgard. C'est de la chance, surtout. Euh, 11 000 d'expérience, on peut peut-être les utiliser, non? Oiseaux. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Le bouquetin? Non. Oh, les loups. Hein. Moi, je préfère les loups. Ok, donc ça marque les ennemis à côté et ça réduit le temps qu'on les tape. Comment on fait pour toi? Se mettre là-haut. Ce lieu a mal vieilli. Donc, tu voulais rien en fait? Non. On va tuer la bestiole. Là.
Nickel. Par contre, est-ce que ça marche? Peut-être c'est genre une seconde quand on tape. Mais vu qu'on va spammer les... Je sais pas. On va spammer les runes. Oh. Jamais aller là. Il y a plein d'endroits, c'est ouf, c'est incroyable. Alors, par contre, ah non mais d'accord, mais super. Comment on fait? Ça a marché? Yes! Putain, trop fort. Par contre, j'avais vu un chemin pour descendre. Non, c'est pas là. C'est à gauche. Où il y avait le trésor. Ouais, voilà. Région secrète. Les dolines. Bon, faut voir si le marquage. Elle est de retour. Putain, t'es sérieux? Je change de flèche. Encore? Un repli stratégique, sage. Je crois savoir qui est cette chasseresse. Les As l'appelaient la furie sauvage. Et pour quelle raison? Des familles vannes entières s'étaient réfugiées dans cette jungle afin d'échapper aux As. Les Enériens les ont cherchés, mais c'est la furie sauvage qui les a trouvés. Et tués sans relâche. Ils ont mal choisi leur jungle, et sa retraite est stratégique. Eh ben... Bah du coup, est-ce que ça marche bien, le coup de marquer? Parce que bon, moi je dis pas non, hein. On récupère nos runes plus rapidement. Alors, on a 44 000 d'expérience, on va peut-être l'augmenter au maximum. Améliore pour augmenter la durée de la marque. Donc si on tue, on a une grâce runique, donc on augmente les dégâts. Et si on tape, attaquer un ennemi marqué pour réduire le temps de renouvellement des pouvoirs runiques de l'arme équipée. Ouais. Je dis pas non. Ça nous fait une attaque en moins, mais bon, on a déjà 6. Donc bon. C'est pas comme si on en avait vraiment besoin de des shurikens. Ils sont bien, mais bon. À la limite, on peut s'en passer. Si ça nous permet de faire les autres attaques plus facilement, enfin, plus souvent. Non.
Wow. Par le dieu, qu'est-ce que c'était? Des secousses. Est-ce la terre ou autre chose? Des secousses à Vanheim? Étrange. Quelque chose les provoque. Putain, ça tue. Trouver l'origine des secousses. Ça tue. Il y a trop plein de trucs à faire dans cet endroit. C'est énorme. Qui a le fait ? Oh merde, j'avais changé les flèches. Il y a trop plein de choses, c'est superbe. Oh. Je me suis dit, tiens, on va récupérer. Ah, bah voilà, quand même. Courage de Midgar. Je vais voir un peu. Défense 20. Pas mal. Défense 20. Je sais pas si on prend autre chose. Bon, déjà, la rage maximale en fonction de la vitalité, honnêtement, ça, on peut pas le changer. Enfin, parce que moi, j'aime beaucoup le fait d'avoir beaucoup de rage. Parce que si on l'enlève, parce que là, on en a pas, là. Ok. Vu que c'est vide, donc on a 5 barres, pardon. On peut faire 5 fois Kourou par exemple. Et on enlève ça. Genre ça. 4, d'accord. Ouais, non. Non. Ouais, non, ça ira. Et après, ça c'est les dégâts d'étourdissement, ça me plaît aussi. Après, les dégâts d'étourdissement, on peut les changer pour quelque chose d'autre. Mais bon, il n'y a pas grand chose de très très intéressant. Bon, les capacités des armes, là, les triangles, bon bof, on s'en fout. Dégâts au corps à forge contre les ennemis sous l'effet d'un état. Ouais. Moi j'aime bien l'étourdissement, ça permet de faire des finishers et tout ça là. Tiens, on peut mettre plus de défense et on perd un peu de force. Non, c'est pas intéressant. Il y a Muspelheim qui est intéressant, mais on les a, on n'a pas 3. Non, les autres est pas très intéressant. Pas pour moi, je trouve pas que ce soit. Pour que ça, je pense pas que ce soit top. J'aimerais bien des bijoux qui font seulement des stats. Mais ce genre, ça serait des stats un peu supérieures, par exemple. Mais genre, ça fait pas partie d'un set. Ça serait cool. Bon, on va voir là. Si je la tuais au lieu de faire n'importe quoi là. D'accord, toi tu me fais chier. C'est parti. Mais merde. Puis tu frappes. Prenez la chanson, frère. Derrière toi. Ah!
qu'elles viennent là. Ouais, elle est full vie. Mon dieu que ça va loin. Ces séismes, on dirait qu'ils se sentent plus tranquilles quand ils meurent. C'est bizarre. Ouais, j'ai pas, on n'a pas super bien joué. Enfin, l'endroit était pourri. Hein. L'endroit est bien pourri. Bon, par contre, je pensais que ça faisait une AOE autour de moi, mais en fait, pas du tout. Ça fait une onde de choc. Une onde devant moi, en fait. Cela nous éclaire-t-il ? Alors, si vous lisez ceci, c'est que nous sommes morts. Si vous lisez ceci, c'est que vous êtes un naze et que vous avez fini par nous retrouver. Vous faites preuve d'une curiosité que ne possèdent pas vos compagnons. Ah, si vous lisez ceci, je sais que là que nous avons échoué, d'autres réussiront. Rien finit par s'achever, tous les empires finissent par chuter. Sachez que nous finirons tous deux par nous retrouver à Helheim. Ce jour-là, il me restera ma magie et une haine inébranlable envers vous et les vôtres. Oups. Les secousses. Elles viennent de derrière cette porte. Trouvons un autre chemin. Oh. Ouais, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est comme créature. Alors on va où ? Là, il y a encore des cerfs. Faut ouvrir ça, du coup. Ouais, je suis pas trop vendu hein, pour le truc. La marque. Faut mieux la tester. Oh! J'avais pas vu, on peut passer. Le cerf de l'automne. J'espère juste qu'il va me suivre. Je touche du bois. Bois, tu l'as? Hein? Non? Non? Pas mal. Oh. Non mais... D'accord. Qu'est-ce que c'était ça ? Ah, ok. Eh bien, au moins il attaque quelqu'un d'autre que nous. Ça changera. On va se faire un dragon. Ouais, on va se faire un dragon. Ah, merde. On pourra rien faire tant que ce dragon sera là.
À ta droite. Il va falloir... Tu dois briser ce pilier. Putain, va te faire foutre. Et avec ta lance ? Oui. Comment on fait maintenant ? Il faut aussi briser celui-là. Ouh ! Le dragon, on l'a repoussé pour l'instant. Mais on ferait mieux de le chasser ou il reviendra. Marche. Ah, on est arrivé à la... C'est le dragon qui fait ce bruit-là ? Non, je pense pas. Hein. Je crois qu'il y a autre chose encore. On est arrivé à la tombe, à la pierre tombale. Nous sommes près de la source. Faudrait qu'on arrête l'épisode, mais c'est tellement fun, il y a tellement plein de trucs. Je sais que vous me voyez. Je t'écoute. 5 heures, plein nord. 2 heures, vers l'est. Il disait que je trouverais cette vallée. Un nouveau foyer, après que les arts. On détruit le mien. Alors, que s'est-il passé ? Je ne me souviens pas. Je sais que je voulais refaire ma vie. As-tu vu quelque chose qui puisse nous aider à trouver l'autre moitié de ton sablier ? Il y avait 3 chutes d'eau. Je me souviens avoir souhaité vivre. Encore un esprit victime des As. Odin devait être vraiment hors de lui quand Freya l'a quitté. Odin n'aurait reculé devant rien. C'est pourquoi il a envoyé Thor ici. Que fais-tu de Freya ? A-t-elle défié Thor ? Odin ? Qui sait ? La vérité nous attend. On doit pouvoir traverser. A-t-on regardé partout ? Oh, les autres, ils sont pris un rocher. Ils sont pris un petit rocher. Alors... Ah, voilà. Oh. On est toujours pas allé récupérer l'armure. Un autre don pour le bassin. Veux-tu aller au bassin de purification ? Tu as beaucoup de cristaux. J'avoue, mais bon. Maintenant, on s'est lancé là-dedans. Merde. Je vais pas. Voilà. Ah, on va s'arrêter là parce que sinon je m'arrête pas. En fait, ça fait aventure sur aventure sur aventure. C'est fou là. C'est complètement fou là. Ouf. On va s'arrêter là. Ouais, par contre la relique, je suis pas vendu. Je suis vraiment pas vendu. Je
sur ça. Je sais pas si ça m'intéresse vraiment en fait. Par contre, est-ce qu'on peut... chakram de Bifrost. J'aime bien les chakrams de Bifrost. Après, la rage, j'avoue que c'est utile quand même. Mais bon, on peut se débrouiller sans. Après, on a le poison. Pas mal aussi. Décharge électrique. La décharge électrique ou le... ça. Bon, je veux bien meilleur pour élargir la zone d'effet. Parce qu'on a pas mal de... ouais. À la limite, je veux bien tester. On a encore 30 000 d'expérience. On peut faire des tests. Pourquoi je suis à 61 secondes? 54. Mais pas moins. Ah oui, mais c'est... oui, non, mais c'est... on avait moins quand on avait l'autre armure, je suis con. On a de l'expérience, donc on peut faire des tests avec différentes choses, mais... ça, c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est le lancer de hache. Ça, c'était sympathique, mais sans plus. Non, ça non. Ça, c'est tellement pratique. Ça fait plein d'étourdissements et ça fait une grande AOE. Et on peut, ça en fait deux. Ça, c'est le top aussi. Ça, on avait vu que c'était fun, mais nul. Ouais. Le problème avec le souffle de Tamur, c'est que du coup, il faudrait le faire en dernier. Et moi, j'ai tendance à faire la hache, les dagues et la lance. Je fais toujours dans ce même ordre. Parce que les premiers flashs, en fait, ça va stunner tout le monde aux alentours. Après, je mets du froid par terre. Après, le feu, par contre, c'est un peu plus ciblé. Donc, c'est pour ça que ça vient en deuxième. Et après, la lance. Pour finir. Est-ce qu'on aurait un truc mieux pour le feu, par exemple? Non, ça nous bloque trop. Il faudrait des choses, en fait, qui nous bloquent pas. Avec les dagues. Ça, non. Ça nous bloque. On peut bouger. La boule de feu, c'est intéressant, mais c'est pas... non, sans plus. Non, les flammes de l'angoisse restent le mieux. Ça, ça fait très mal. Ça fait des AOE, parce que ça fait du mortier. Après, on a quoi d'autre? Ça, c'est trop lent. Ça, c'est encore pire. Et ça, c'est pareil. Non, il n'y a pas... bon, on va tester la poignée de Riddle. De l'électricité, on n'a pas. Donc, pourquoi pas tester. Est-ce qu'on peut augmenter quelque chose? L'éveil de gif peut être chargé instantanément en appuyant sur triangle après une attaque avec la hache Léviathan. Oh, un peu... ok. C'est pas mal ça. Tu peux voir un peu? Attends, merde. Comment faut faire? Comment ça marche? Alors, lorsque vous rappelez la hache, maintenez. Ah, ok. Et là, c'est chargé après un coup. Ouais, mais ça doit être un coup qui connecte, je pense. Parce que là, ça fait rien, en fait. Ok. Cool. Ah,
Pas mal. Pas mal, pas mal. Je vais jamais le faire parce que je vais pas y penser, mais pas mal. Ah oui, ça. Ça là, je la voulais. Alors c'est... Attends. Ok. Pas mal. J'ai l'impression que je tape plus vite avec la hache, non? J'ai l'impression que je tape beaucoup plus vite. Que c'est parce que j'ai débloqué des habilités de haut niveau. J'en sais rien. Alors, l'âme du chaos, qu'est-ce qu'on peut avoir? Coup de fouet ardent, peut-être chargé instantanément, puis survivre un peu après une attaque avec l'âme du chaos. Ça, ça m'intéresse pas du tout. Après avoir empalé un ennemi avec des ferments, maintenez R2 pour planter l'autre lame dans la cible et envoyer une vague d'énergie ardente le long des deux chaînes pour provoquer une explosion d'énormes dégâts de brûlure. Augmente le rayon. Ok, ça c'est pas mal. Je vais pas y penser non plus parce que je vais oublier de le faire. Ah oui, j'aimais bien ça. Un coup final. Ça, il faut juste maintenir R1, c'est pas mal. Ouh, Dropnir, on peut aller à la fin aussi. Ah putain, j'aurais dû garder. Bref. Ouais. Faut aller là. Ouais, il nous faut ça. Jeter suffisamment plusieurs lances pour augmenter la vitesse à laquelle vous les jetez. Ça, c'est super utile. Cool. Allez, on va s'arrêter là parce qu'il y a trop de trucs à faire. Fais voir ça. Ça paraît pas mal. Ça paraît pas mal. Surtout si ça peut électrocuter. Je sais pas, je crois que ça ralentit ou ça bloque les ennemis. J'en sais rien en fait exactement ce que ça fait. Mais bon, ça peut être intéressant. À la prochaine, ciao ciao.